Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur et grand plaisir d'être avec le professeur David Engels. Professeur, bonjour. Bonjour et merci pour l'occasion de cette discussion. Merci surtout à vous de m'avoir invité chez vous. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de vos travaux et de votre vision de l'Europe et de sa situation politique et idéologique en particulier. Mais avant d'entrer dans le cœur de notre sujet, pourriez-vous peut-être vous présenter brièvement et dire quelques mots de votre parcours, de la nature de vos travaux, de vos recherches, au public qui n'aurait peut-être pas encore la chance de vous connaître. Oui, alors David Engels, né en 1979 en Belgique, à Verviers, de nationalité belge, même si d'origine germanophone, hein, la petite communauté germanophone de Belgique où j'ai passé mon enfance. Mes études en histoire, je les ai passées essentiellement à l'université d'Aix-la-Chapelle, mais aussi un petit peu à Liège et à Nottingham et à Cologne. J'ai fait une thèse en histoire de l'Antiquité qui m'a valu le fait d'être nommé professeur d'histoire romaine, titulaire de la chaire d'histoire du monde romain à l'Université libre de Bruxelles en 2008, où j'ai passé 10 ans avant finalement d'être appelé ici en Pologne sur un genre de chaire de recherche à l'Institut Zahrotny à Poznan, où je passe mon temps depuis lors. Ce qui m'intéresse surtout, je dirais, dans ce parcours qui peut sembler fort international, de Belgique en Allemagne, finalement de retour en Belgique et puis en Pologne, c'est surtout mon intérêt pour la comparaison des grandes civilisations, la notion de déclin culturel, ou en tout cas d'une évolution prédéterminée culturelle, qui a mené au fait que j'ai rédigé toute une série, ou édité aussi toute une série d'ouvrages qui portent un peu sur les études au long terme, si on veut, des grandes civilisations, que ce soit sur la religion romaine, que ce soit aussi sur la comparaison entre la fin de la République romaine et la situation actuelle de l'Union européenne, des ouvrages sur la philosophie de l'histoire, sur Oswald Spengler, sur l'Empire séleucide. Donc disons, tout cet aspect-là des études culturelles, civilisationnelles m'intéresse vraiment fortement, et c'est à ça, finalement, je crois, que je vaux aussi le fait de me trouver maintenant ici à Varsovie dans mon bureau. Oui, vous êtes d'ailleurs un grand connaisseur de l'œuvre d'Oswald Spengler, et c'est ça qui a un peu dirigé aussi l'objet de vos travaux, d'une certaine manière. Oui, absolument. Spengler, je l'ai découvert quand j'avais 17-18 ans, je crois, en même temps que mes études d'histoire aussi à Aix-la-Chapelle, et cette idée selon laquelle on pouvait comparer toutes les grandes civilisations humaines et d'une certaine façon voir qu'elles évoluent d'une manière parallèle, analogue les unes avec les autres, et que dès lors on peut, pour ainsi dire, prédéterminer le futur de l'histoire européenne en comparant la civilisation européenne à toutes les autres grandes civilisations humaines qui ont aussi toutes connu leur naissance, leur montée, leur apogée, leur déclin et leur stade de pétrification. Tout ça m'a énormément influencé très rapidement, et c'est ça que j'ai toujours eu finalement comme arrière-pensée dans ma tête quand je me suis lancé dans ces études d'histoire et de philosophie. Très bien. Bien, nous allons entrer dans le cœur de ce sujet. Donc, vous êtes entre autres l'auteur de trois livres importants. Je vais les montrer à l'écran, à savoir donc, Le déclin, sous-titré La crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine. Que faire, sous-titré Vivre avec le déclin de l'Europe, et Renovatio Europae, la rénovation de l'Europe, sous-titré Plaidoyer pour un renouveau espérialiste de l'Europe. On reviendra sur cette notion d'espérialisme un peu après. En fait, je voudrais vous interroger sur le lien qui unit ces trois livres, et je pense qu'il faut commencer par ce premier ouvrage, c'est-à-dire Le déclin, qui est votre livre le plus connu, en fait, hein, celui qui vous a mis sur le devant de la scène intellectuelle, d'une certaine manière. Et dans ce livre, pour résumer les choses très, très simplement, vous établissez une comparaison très forte entre le déclin de la République romaine avant l'établissement de l'Empire par Auguste et le déclin de l'Europe contemporaine. Et donc, pour commencer, qu'entendez-vous justement par ce terme de déclin? Quel sens ce mot revêt-il chez vous, en fait? Oui, bah, il y a différentes strates, je crois, d'interprétation de ce terme. Alors, il faut dire
Tout d'abord que le titre Le déclin de cet ouvrage n'est pas de moi, mais de mon éditeur à l'époque. Selon moi, le livre aurait dû s'appeler Demain l'Empire, point d'interrogation. Qui fait écho d'ailleurs au titre en allemand, Auf dem Weg ins Imperium. Tout à fait, exactement. Le chemin sur l'Empire. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Pour la version allemande, j'ai pu enfin récupérer le titre que le livre aurait dû porter en allemand, parce que en français, parce que j'avais certains soucis avec le terme de déclin, que j'ai finalement accepté parce que il faisait un peu écho au déclin de l'Occident d'Oswald Spengler, et donc c'est un peu dans cette perspective là aussi que je voulais qu'il soit compris, parce que il ne s'agit pas d'emblée d'un genre de jugement moral. D'une civilisation déclinante, etc., mais plutôt d'une vision assez globale sur les civilisations qui ont leur montée, leur apogée, leur déclin. Alors, certes, il y a tout un aspect moralisant que j'ai d'ailleurs évolué ou développé beaucoup plus fortement après la publication de ce livre, mais c'est sûr que déjà dans cet ouvrage-là et dans mon analyse du présent, on voit toute une série de facteurs d'identité de la civilisation européenne, où on voit que après avoir constitué notre identité à proprement dite pendant un millier d'années, grosso modo, on les voit mis en question et littéralement déclin, que ce soit par exemple la notion de la famille traditionnelle, que ce soit la progression démographique, que ce soit la religion traditionnelle, en l'occurrence le christianisme, que ce soit une certaine vision identitaire de sa propre de l'essence de ce que ça représente d'être un Européen, de la participation plus ou moins pluraliste dans l'État. Il y a toute une série de bases essentielles de notre identité qui sont aujourd'hui mises en question et qui expliquent aussi pourquoi notre civilisation se porte de plus en plus mal et se trouve, même d'un point de vue factuel et pas seulement moral aussi, dans une situation de déclin. Alors là, je fais évidemment allusion aussi au domaine moral, où on voit très bien que le matérialisme, le consumérisme, le déclin religieux, finalement, mène aussi à un monde qui est de plus en plus hédoniste, consumériste et égoïste, finalement. Où finalement c'est chacun pour soi, où c'est la poursuite du plaisir, du moment, au maximum de sa propre vie, comme élément essentiel de ce qu'on est censé poursuivre pendant son existence, alors que tout ce qui est valeur transcendante, tout ce qui nous mène au-delà de nous-mêmes, aujourd'hui n'est presque plus considéré comme avoir une quelconque importance. Oui. D'ailleurs, dans votre livre, vous établissez cette comparaison à travers une douzaine de facteurs, en fait. Comme vous l'avez dit, le rapport à la religion, le rapport à l'immigration, à la famille traditionnelle, le déclin démographique ou non, etc. Ce qui est très intéressant. Est-ce que, petite question qui me vient comme ça, est-ce que vous faites une distinction entre la décadence et le déclin, entre ces deux notions, ou globalement vous les comprenez de la même manière, comme des synonymes? C'est difficile à dire dans le sens que, en tant qu'historien, et surtout en tant qu'historien comparatiste des grandes civilisations, je vois que dans le déroulement, dans l'évolution de chaque civilisation, on a des parallélismes, c'est-à-dire cet ensemble de facteurs identitaires mis en péril, comme la famille traditionnelle, l'immigration, l'identité ethnique, culturelle, le mondialisme, la technocratie, etc. Tout ça existait évidemment aussi dans beaucoup d'autres civilisations. Maintenant, est-ce qu'on peut considérer cela comme une phase de décadence? Peut-être pas encore totalement, dans le sens que je constate aussi, en comparant notre civilisation avec toutes les autres, que nous ne sommes pas encore à la fin de notre évolution. C'est-à-dire, nous sommes plutôt dans une phase de transition. Nous nous trouvons pour le moment au sommet, si on veut, d'une phase antithétique par rapport à notre véritable identité, telle qu'elle a pu être pratiquée durant la première moitié du deuxième millénaire, hein, c'est-à-dire l'époque qu'on appelle le Moyen-Âge, où là, évidemment, tout ce qui est famille, religion, autorité, hiérarchie, corporatisme, etc.,
tous ces éléments-là se trouvent unis les uns aux autres et forment cette image tout à fait homogène, unifiée du monde, qui est ensuite mise en question par cette phase antithétique qui commence par la Renaissance et qui nous bouscule dans le monde moderne, qui en grande partie est une antithèse, si on veut, au Moyen-Âge. Et là, actuellement, on est vraiment à la fin de cette évolution-là, donc on est au sommet, si on veut, de l'antithèse par rapport à tout ce qui nous constitue. Mais après cela, en tout cas selon moi, il n'y a pas maintenant la fin ultime de notre civilisation, mais plutôt un genre de dernier redressement presque synthétique, si on veut, si on croit Hegel et son idée que l'histoire des peuples se poursuit sur un mode dialectique avec des entités synthèses. Donc j'attends quand même aussi une certaine phase de synthèse qui correspond grosso modo à ce que Rome a pu connaître après les guerres civiles dans la réformation augustéenne, ce que l'Empire ou ce que les différents États chinois ont pu connaître avec l'émergence notamment de l'Empire unifié des Han essentiellement, et ce que nous pouvons trouver dans presque chaque camp de civilisation. C'est-à-dire cette idée que avant la véritable fin, il y a un genre de dernier redressement, une dernière unification, une certaine mise en l'honneur aussi de certaines traditions, un certain processus de canonisation, qui est en même temps une certaine pétrification, et qui est ce que moi, en tout cas, j'attends pour la prochaine génération. D'accord. Grosso modo, pour les prochaines 20, 30 années, c'est évidemment très, très, très hypothétique à dater comme ça, l'année près. Mais c'est plus ou moins ça que je m'attends, et donc c'est pour ça que le terme de décadence dans son sens plein me semble problématique, d'autant plus que chacune de ces phases dans l'histoire, même si ça peut nous paraître parfois très difficile à assumer, a quelque part son sens dans le tout, et qu'au lieu de juger l'histoire, même s'il faut parfois évidemment la juger, même amèrement, mais au lieu de juger l'histoire, l'historien ferait mieux de considérer chaque époque comme étant égale sous le regard de Dieu, comme disait Ranke une fois, et que même chez nous, même si on voit très clairement que tout ce qui nous constituait historiquement est mis en péril aujourd'hui, il y a quand même toujours, au moins chez quelques-uns, cette volonté de maintenir coûte que coûte notre identité, de conserver quelque part ce qui constituait véritablement l'Occident, et qui va probablement être jugé par de futures générations comme étant justement l'élément le plus fertile de notre époque, qui sinon serait en effet probablement une époque plutôt de décadence et de déclin s'il n'y avait pas cette dernière lueur d'espoir. Cette dernière lueur, oui. Ouais. D'une certaine manière, vous, un peu comme Spengler, vous voyez le déclin comme la dernière phase, la Vollendung, comme il dit, d'accomplissement de la civilisation européenne. Cette civilisation qui, selon vous, a plutôt commencé avec la réforme carolingienne, en fait. Oui, enfin, tout à fait. Donc, ça peut paraître curieux pour un antiquisant de se dire non, l'histoire de l'Occident ne commence pas avec les Grecs, mais avec les Carolingiens, ou peut-être même les Ottoniens, mais de fait, je considère la civilisation gréco-romaine comme étant très étrangère à la nôtre, et d'ailleurs, plus qu'on s'y penche, plus on voit aussi que sur toute une série de points, elle nous est aussi étrangère que la chinoise ou la musulmane ou l'indienne. Et donc certainement, il y a des phénomènes de réception. C'est sûr que notre civilisation, en grande partie, est construite sur l'utilisation d'éléments qui viennent de l'Antiquité, mais il faut savoir qu'on les réinterprète à notre sauce, si on veut, à notre image, et que déjà dans le fait des auteurs, des idées, des pensées, des styles que nous avons repris par rapport à tous ceux qu'on a préféré tout simplement ignorer, déjà ce choix-là reflète déjà la spécificité de cette âme européenne. Donc je dirais que l'influence de l'Antiquité sur nous, elle est un peu comme l'utilisation de spoli, hein, d'éléments architecturaux en ruine quelque part, avec lesquels on construirait un nouvel ensemble qui ne ressemble pas du tout à celui dont on a exploité les ruines et dont on a souvent, comme c'est le cas d'ailleurs dans la réalité, totalement mal compris certaines formes, comme ces chapiteaux corinthiens qu'on retrouve dans certaines églises romanes, tournées sens dessus-dessous comme une base de colonne ou avec un grand trou dedans pour en faire un bénitier ou des fonds baptismaux. C'est un peu comme ça finalement, c'est un peu ça que nous avons fait aussi avec l'Antiquité classique. Donc dès lors, pour moi, ce serait plutôt avec la
la réémergence de l'idée impériale sous Charlemagne et peut-être encore plus sous les Ottoniens, que là on voit une véritable émergence d'une idée d'un Occident unifié, assez différent finalement du passé antique, et qui en est conscient aussi de cette Oui, différence. je vois. Alors, donc, les spectateurs ont compris, vous défendez une vision d'un certain déterminisme historique, on pourrait dire, qui laisse songer à une sorte d'inéluctabilité des phénomènes historiques qui survient. Or, cela peut faire songer à une sorte de pessimisme, en tout cas, c'est un reproche qu'on a souvent fait à Spengler quand il a sorti son livre Le déclin de l'Occident. J'imagine que c'est un reproche qu'on vous a également adressé quelques fois. Néanmoins, en relisant récemment un article de Spengler qui s'intitule Pessimisme avec un point d'interrogation, Spengler revient en fait sur la réception de son ouvrage et il dit ceci: Cet ouvrage s'adressait aux hommes d'action et non de critique. Une image du monde où l'on pût vivre et non ratiociner, telle était la fin véritable de mon œuvre. Et plus loin dans le même article, il ajoute: Non, je ne suis pas un pessimiste. Le pessimisme, c'est l'incapacité à percevoir de nouvelles tâches. J'en vois tant, et qui ne sont pas encore accomplies, que je crains que le temps et les hommes ne manquent pour en venir à bout. Vous reconnaissez-vous vous-même dans cet état d'esprit? Est-ce que votre livre peut vraiment être qualifié de pessimiste ou non? Ça dépend certainement du point de vue. C'est sûr que pour beaucoup de lecteurs, beaucoup d'auditeurs, il est difficile d'assumer, de pouvoir accepter que cette idée d'un progrès linéaire qui marquerait toute l'histoire humaine et où finalement on va toujours de mieux en mieux quelque part et qu'il y a certes par-ci, par-là, quelques petits retours, quelques petits rejets, mais qu'au fond, l'horizon est ouvert, que justement ce modèle-là ne soit pas adéquat. Ça peut paraître fort déroutant pour certains, voire pessimiste, hein, le fait de se dire qu'il n'y aura plus jamais vraiment une grande littérature, une grande poésie, une grande musique européenne, et que le mieux qu'on nous puissions espérer, c'est peut-être un vague classicisme nostalgique, rétrospectif, associé comme à Rome avec cette réforme augustéenne. Ça peut évidemment paraître peut-être même défaitiste. Mais d'un autre côté, comme Spengler l'a très bien dit, nous devons accepter l'histoire telle que nous la trouvons devant nous, tout comme chaque âge d'un être humain, aussi sa justification. Le vieil âge des personnes âgées n'a pas moins de justification quelque part que la phase de l'enfance ou de l'adolescence. Le tout est justement de se conformer aux possibilités que nous avons encore devant nous, d'être réalistes, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui est encore possible, quels sont nos atouts, quelle est la mission finalement que nous devons remplir, et de rester fidèles au tout, et surtout ne pas devenir comme certaines personnes âgées, justement, qui ne veulent pas accepter leur situation, qui veulent jouer coûte que coûte une deuxième adolescence, qui ne veulent pas réaliser les limites de leur corps, de leur santé, et dès lors qui prennent parfois des risques aussi pour leur santé ou pour leur existence, qui les mènent parfois dans des périls, voire des grands problèmes, et surtout le ridicule, ce qui est quelque chose que nous, en tant qu'Européens, occidentaux, nous devons tout à fait éviter. Et c'est pour ça que je citais aussi Rank, qui justement, quand il disait que chaque civilisation, chaque âge, quelque part, a sa justification, certes, l'âge aussi d'un être humain est une époque de déclin, si on veut, parce que capacités corporelles sont en plein déclin, il faut l'accepter. De ce point de vue-là, ce n'est même pas un jugement moral. Si on dit qu'une personne âgée, ben, elle a moins de facultés généralement que quelqu'un qui a une vingtaine d'années. Mais en même temps, cela ne veut pas dire que sa vie n'a plus aucun sens et qu'elle peut autant se suicider quelque part. Et avec ça, d'ailleurs, on est en plein dans toute la lutte aussi sur l'euthanasie qui reflète quelque part aussi cette vision de l'homme moderne de devoir tout contrôler et de ne juger l'existence que par rapport au sommet qu'on peut peut-être atteindre durant l'adolescence ou l'âge adulte, et qui, dès que toutes ses facultés extérieures, matérielles, ne sont plus données, que le reste de la vie n'a plus aucun sens. Donc, de ce point de vue-là, je
ne suis certainement pas pessimiste, au contraire, il y a certainement toute une possibilité d'action que nous avons encore devant nous, notamment justement cette perspective que beaucoup trouvent d'ailleurs très, voire trop optimiste encore, d'un genre de dernier rebond occidental, d'un genre de dernière époque augustéenne qui, au lieu de nous mener tout droit vraiment vers l'abîme, au contraire, nous assurait au moins un genre de point final pour donner sens à l'ensemble de ce qui est de ce qui s'est passé devant nous. Et ce point final, nous ne l'avons pas encore eu. Toutes les grandes civilisations l'ont. Donc, si nous aimons quelque part notre tradition, notre histoire, etc., nous devrions œuvrer justement avec les forces qui nous restent pour assurer cette fin qui clôturerait l'évolution de notre civilisation. Je vois. C'est ainsi qu'après avoir parlé de votre premier livre, on va passer au livre suivant. Alors même si le déclin et l'Europe restent les thèmes majeurs de ces deux autres livres, j'ai l'impression justement que la tonalité était plus volontariste, si je puis dire, d'une certaine manière. Vous ne vous arrêtez pas au diagnostic, au constat, mais vous essayez plutôt d'apporter des solutions ou des modes d'action individuels ou collectifs, voire institutionnels. Et donc je voudrais commencer par celui-ci, Que faire, sous-titré Vivre avec le déclin de l'Europe, Que faire qui fait écho au livre de Tchernychevski et de Lénine, Что делать, Que faire en russe. Et justement, dans l'introduction du livre, vous écrivez ceci: la réponse à la question identitaire contemporaine ne pourra se résumer, à l'image de la reconstruction de Notre-Dame, en une simple réforme politique superficielle de notre vieux continent. Elle doit passer par un renouvellement spirituel intérieur dont chacun porte la responsabilité. Pourriez-vous peut-être développer cette idée ? Oui, absolument. Le livre, bien qu'il ne soit sorti qu'il y a 2 ans, je crois, en langue française, avait déjà été rédigé assez rapidement après le déclin. En fait, je crois que je l'ai écrit en 2014, 2015, quelque chose comme ça, comme un genre de suite assez logique, d'abord assez personnel, assez privé finalement, parce que cette notion d'un continent qui est d'une manière ou d'une autre en déclin et où toute une série de possibilités vitales d'évolution est désormais fermée et où surtout nous dirigeons vers une époque de transformation violente où beaucoup de choses que nous, en tout cas, en tant que patriotes européens, en tout cas, aimons, vont certainement disparaître, en tout cas vont être mises à rude épreuve. Bah, toute cette perspective-là me semblait, comment dire, nécessiter aussi une réponse personnelle. Je ne suis pas du genre de l'historien qui tout simplement décrit et constate et continue à mener une vie comme si de rien n'était, mais ce constat-là m'affecte toujours personnellement. Je souffre aussi, si on veut, de ce constat et le fait de se dire qu'une civilisation est mortelle et qu'on n'aura jamais à nouveau les beaux jours du 18e siècle, de la Renaissance, du Moyen-Âge, et bien tout ça est quelque chose dont il faut faire le deuil quelque part, et où surtout cette situation de vivre comme l'un des, si on veut, des derniers occidentaux au milieu d'un monde européen qui a de moins en moins d'intérêt pour ses traditions, pour son histoire, qui est même opposé fondamentalement à cette tradition, à cette histoire. C'est assez difficile à supporter, surtout à l'époque que je vivais dans une ville appelée Verviers, dans l'est de la Belgique. Je comprends la difficulté. Exactement. Où on voit à la fois une polarisation sociale extrême, un taux de chômage, de criminalité, de grande dépendance énorme, et surtout, évidemment, alors un taux d'islamisation qui est absolument phénoménal, même dans un contexte belge. Et donc, quand on a ça devant les yeux tous les jours, quand on vit avec ça quotidiennement, bah, on se pose cette question-là, bon, est-ce que quelque part
Après moi, le déluge, ça m'est égal, je profite du déglas dans ma petite bulle, ou au contraire, j'essaye de maintenir cette identité dans la vie de tous les jours. Ben, c'était ça le choix, et ce choix-là a été évidemment à trouver la réponse dans la deuxième option. Elle m'a mené à écrire ce livre Que faire, qui fait néanmoins partie d'un diptyque avec, on y reviendra après, avec l'idée de Renovatio Europae, avec cette double identité pour faire face à cette situation. Il faut évidemment aussi une action politique, on va parler plus tard, mais il faut aussi une réponse individuelle. Nous ne pouvons pas parler de la défense de l'Europe et ne penser qu'à la politique, mais il faut surtout défendre cette Europe dans notre quotidien, dans notre vie, jusque dans les actions les plus infimes, les plus intimes de notre existence, que ce soit la vie familiale, l'aménagement de la maison, le fait d'essayer de faire partie de la nature, de refuser de prêter allégeance à un système politique et social qui finalement est en train de détruire l'Europe, etc., etc. Et donc, le fait de définir ben, par quelles différentes étapes est-ce qu'on peut rester fidèle à cette identité, c'est ce qui m'a un peu animé. Et c'est un genre de livre vademécum qui était aussi une expérimentation pour moi qui, venant, disons, d'un environnement académique, me suis posé de plus en plus des questions d'ordre vraiment identitaire, moral aussi, si on veut, et qui a essayé de donner une réponse à ces questions que beaucoup d'autres personnes se posent aussi en même temps pour leur montrer, ben voilà, vous n'êtes pas seul, vous avez peut-être parfois l'impression d'être le parti ou d'être l'un des derniers occidentaux, mais il y en a quand même beaucoup plus que nous croyons et il y a moyen quand même d'y faire face et de faire en sorte que durant cette difficile phase de transformation que nous vivons actuellement, il y a moyen de maintenir, de défendre, même d'accroître, de renforcer notre identité pour être toujours là, pour être toujours un acteur culturel, mais aussi politique, ethnique, identitaire, quand il s'agit de restructurer totalement l'Europe. Oui. Et parmi tous les conseils que vous donnez en fait dans ce livre, vous incitez vos lecteurs à partir du principe, enfin, à se montrer réaliste tout d'abord. Et qu'est-ce que vous entendez par là? En fait, vous incitez vos lecteurs à partir du principe que l'État nous a abandonnés, d'une certaine manière, qu'il n'y a pas, en tout cas au moins à l'Ouest, qu'il ne faut pas attendre de l'État le salut, qu'il ne faut pas attendre qu'il vienne changer la situation du tout au tout. Et vous en appelez plutôt à la constitution de nouveaux réseaux, à la formation d'une nouvelle société civile, d'une certaine manière. Est-ce que vous pourriez peut-être développer ce point qui, à mon avis, est assez important dans le contexte dans lequel on est? Ce que vous appelez, en fait, les Européens à pratiquer une forme de communautarisme, en fait, peut-être par rapport ou conjointement aux autres communautarismes extra-européens sur le territoire. Est-ce que les Européens ne doivent pas faire eux-mêmes preuve de communautarisme? Absolument. Bon, ça dépend évidemment du cadre de vie dans lequel on est posé. Ici, à Varsovie, en Pologne, évidemment, il y a aussi toute une série de problèmes politiques, mais en tout cas, le problème identitaire, culturel, se pose beaucoup moins qu'en France. Il n'y a pas de société parallèle, que ce soit d'extrême gauche, que ce soit musulmane, que ce soit africaine ou quoi que ce soit, qui, quelque part, met en péril le contrôle de la société majoritaire ou du groupe majoritaire de la population sur l'ensemble, quelque part, de l'État et de sa civilisation. Mais en Occident, la situation est évidemment très très différente et je crois que l'un des problèmes de beaucoup de conservateurs, c'est que en se projetant aussi dans le passé et en voyant comme l'idée de l'État a de plus en plus constitué aussi notre propre identité et est insolublement liée aussi au collectif, si on veut, l'imaginaire collectif du conservateur, on a toujours cette impression que le conservateur, quelque part, se sent responsable pour l'État, l'impression qu'il est redevable à l'État. Quand il pense à l'État, il y voit toujours, quelque part, une continuité avec des grandes figures, que ce soit maintenant en France de la République, bon, c'est tout un problème, évidemment, ou de l'Ancien Régime ou d'autres choses, et quelque part, a l'impression que cet État est à lui et qu'il lui doit quelque chose et qu'on est peut-être juste à deux pas d'une majorité électorale qui permettrait de restituer le bon vieux temps qu'il faudrait évidemment encore aussi définir.
Et face à ça, je dis plutôt, voilà, l'État nous a largement trahis. D'ailleurs, il faut dire aussi que cet État ne nous a pas été imposé d'en haut, mais qu'il est le fruit du fait qu'une grande majorité de la population a souhaité ce changement. Oui. a souhaité ce changement, tout à fait, n'est plus du tout en solidarité avec notre identité traditionnelle. Et donc, nous nous trouvons en effet réduits au rôle d'une société parallèle, minoritaire, parmi beaucoup d'autres. Et le conservateur, en tout cas en Europe occidentale, surtout en France, mais aussi en Belgique, au Royaume-Uni, partiellement déjà aussi en Allemagne, En Hollande aussi. en Hollande, doit réaliser que il n'est pas mieux loti, finalement, qu'il n'est pas dans une situation fondamentalement différente par rapport à l'ensemble de la société que les sociétés parallèles musulmanes. Et qu'au contraire, peut-être pire même. Voilà, L'État est exactement. même Au plutôt organisé contraire, contre. absolument. Au contraire, alors que les sociétés parallèles et immigrés jouissent Oui, davantage. d'un certain avantage, d'une certaine sympathie de la part de l'État, les conservateurs se retrouvent de plus en plus persécutés. Il faut réaliser ça et il faut en effet se constituer exactement comme les autres en réseau parallèle, créer ses propres institutions, créer ses réseaux, créer sa communauté. Ça ne va pas nécessairement être une communauté vivant ensemble dans le même village, mais en tout cas, ça doit vraiment être un réseau où on sait très bien qui est de ce parti-là, qui a cette approche de l'identité européenne dans d'autres villes, dans d'autres villages, d'être en contact régulier et de former une communauté résiliente qui puisse faire à la fois, qui puisse maintenir et renforcer sa propre identité et, si besoin en est, aussi la défendre face aux attaques qui viendraient des autres communautés ou de l'État. Oui. Qui est vraiment un changement de paradigme dans la pensée Absolument. des conservateurs de l'Ouest, qui sont même, en tout cas en France, j'ai l'impression même que le terme de communautarisme est très mal vu par les conservateurs qui essayent plutôt de promouvoir la République une et indivisible, et qui au lieu de développer leur propre communauté, essayent plutôt de combattre le communautarisme extra-européen ou le communautarisme d'extrême gauche, alors que c'est un combat qui est sans doute assez vain en fait. Absolument, absolument. En tout cas, comme vous disiez, pour la France, pour d'autres pays, ça vient très tardivement. Ici en Pologne, en Hongrie, partiellement aussi en Allemagne, le combat n'est pas encore perdu de ce point de vue-là. Donc il y a évidemment d'autres possibilités qui s'offrent. Mais en tout cas, en France, le communautarisme est devenu une réalité. Et si on ne protège pas sa propre identité par tous les moyens possibles, si on tient toujours à cette illusion d'un État qui nous défend, qui nous appartient, qui nous a été juste temporairement, quelque part, aliéné, alors là, on risque vraiment d'aller totalement à notre perte. Oui. Alors, parmi les multiples conseils que vous donnez à vos lecteurs dans votre livre, il y a un conseil très important qui est celui de se former, en fait, de lire, de se ressourcer aux sources de la civilisation européenne. Et vous insistez également sur ce conseil de Goethe, selon lequel il faut détester tout ce qui ne fait qu'instruire sans augmenter l'activité ou l'animer directement. Je trouve que la formulation est vraiment très, très, très heureuse. Oui. Alors, vraiment, que conseilleriez-vous en fait à des jeunes gens désireux de se former intellectuellement pour mieux affronter le monde qui vient? Oui, là aussi, question évidemment très difficile. J'hésiterais maintenant à envoyer les jeunes à lire les grands classiques. Bon, évidemment, c'est important de lire ce qu'on appelle les grands classiques. Il y a toute une série d'ouvrages maintenant qui sortent d'ailleurs actuellement, dont notamment la Nouvelle Librairie qui essaie justement de Oui. montrer quelles sont la littérature de base, si on veut, sur laquelle notre civilisation est construite. Mais bon, ça c'est une évidence évidemment que pour nous rasseoir dans notre propre identité, pour mieux la comprendre, il faut en étudier le passé et qu'il faut renouer avec ces traditions. Mais ce que je veux dire par là, ce n'est pas seulement une connaissance, disons, purement abstraite de quelques grands classiques, mais plutôt cette capacité de se projeter dans le passé, d'essayer de ressentir ce passé par l'intérieur, de pouvoir littéralement s'immerger dans
le sentiment de vie d'une certaine période passée pour pouvoir justement se sentir en continuité avec le passé. Parce que je crois que c'est ça surtout le grand problème, même dans les universités, les étudiants, ou aussi les écoles, les étudiants apprennent toute une série de bases de notre civilisation, mais et encore de moins en moins. De moins en moins, mais surtout comme s'il s'agissait d'une civilisation qui D'un musée, en ne fait. serait pas la leur. Voilà, un musée. Alors on dit, oui, voilà, Goethe a dit ceci ou cela, Dante a dit ceci ou cela, mais on pourrait dire aussi en même temps que sais-je, que tel était l'auteur chinois a dit ceci, ou que tel texte aztèque parle d'autre chose. C'est tellement étranger à la plupart des Européens qu'ils ne considèrent plus cela comme étant leur passé à eux. Et donc je crois que là, il s'agit surtout d'un paradigme, c'est-à-dire qu'une nouvelle génération conservatrice doit comprendre qu'il s'agit de leur passé, que ça leur appartient, que c'est leur héritage, qu'ils font partie de cela, qu'ils ont le droit de se sentir justement les héritiers de ces textes-là du passé, et que c'est à eux de les défendre, que c'est ces textes-là qui les ont produits, mais qu'ils les obligent aussi d'une certaine façon à les défendre, à en devenir les avocats. Et donc il ne s'agit pas nécessairement maintenant de lire des centaines de livres, mais surtout de changer de paradigme et de dire: cette musique, cette littérature, cet art, ce sentiment de vie, c'est le nôtre, nous en sommes les héritiers, nous devons les défendre, et si nous cessons de les défendre, si nous cessons de clamer cet héritage, alors à ce moment-là, ce passé, il va être définitivement perdu, il deviendra muséal, et nous trouverons l'évolution qui est déjà bien en cours maintenant, c'est-à-dire qu'on a l'impression que en Chine ou en Japon, au Japon, on a plus de sympathie et probablement aussi de connaissances pour Beethoven, pour la peinture de la Renaissance, pour Racine, pour l'art européen, que chez nous en France ou en Allemagne. Qui est vraiment paradoxal. Ouais. Comme le château de Heidelberg, c'est un très bel exemple que les auditeurs connaissent peut-être, hein, ce château qui avait été détruit par les troupes françaises de Louis XIV à l'époque, qui n'a jamais été reconstruit, qui est toujours une très belle ruine d'ailleurs à Heidelberg, et que les Chinois ont maintenant reconstruit entièrement à l'identique, mais pas en tant que ruine, mais en tant que bâtiment tel qu'il était avant sa destruction, sur un campus universitaire avec toute une ville typiquement européenne, avec des reconstitutions de palais, de musées, de grands édifices européens, quelque chose que nous on ferait jamais quelque part, et qui, quand on le fait comme à Francfort, où on a reconstruit une partie de la vieille ville de Francfort, et ben c'est considéré dans la presse allemande comme proto-fasciste, comme étant arriéré, anachronique de faire ça, et que quelque part c'est de droite même de vouloir reconstituer des choses. Et donc on est dans cette situation-là que nous n'osons même pas reconstruire nos propres bâtiments, alors que de l'autre côté de l'Eurasie, il y a un tel enthousiasme, une telle admiration pour notre passé, que eux, quelque part, reconstruisent les bâtiments que nous n'osons plus mettre en état. Ce rapport aux ruines du passé est quand même assez révélateur de cet état de déclin que vous décrivez, car je pense que ce sont des pudeurs que les siècles passés n'avaient pas, justement. Ils reconstruisaient des palais qui avaient été construits en y ajoutant des choses de la mode de l'époque, mais je ne pense pas qu'ils se posaient ce genre de problème de conservateur au mauvais sens du terme, enfin plutôt conservateur musée. Oui. Comme on le fait actuellement. Oui, tout à fait. À mon avis, surtout la civilisation occidentale est probablement la seule qui ait même volontairement construit des ruines. Comme quand vous allez à Potsdam, par exemple, où vous avez le petit monticule de ruines romaines, où on a construit des ruines volontairement pour paraître comme si c'était des ruines romaines, dans cette idée romantique du tournant du 18e au 19e siècle. Bon, ça, c'est évidemment aussi encore un aspect encore très différent, cette fascination de D'accord, l'esthétique l'Européen, romantique. l'esthétique romantique, mais ce qui est en tout cas très, très typique, c'est de voir que de nos jours, il n'y ait même pas de respect pour les témoins de notre passé, mais qu'il y ait même une certaine haine.
En Allemagne, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, ce que peu de gens savent, beaucoup de villes allemandes étaient certes détruites partiellement par les bombardements, mais auraient très bien pu être reconstruites sans trop d'efforts. C'est les Allemands eux-mêmes qui ont préféré faire table rase, de se lancer totalement dans la modernité pour oublier aussi leur passé et qui ont rasé pas mal de choses qui auraient pu être reconstruites. Donc ici en Pologne, ils ont reconstruit les mêmes villes ont été. À Gdansk, ça a été entièrement reconstruit, c'est-à-dire très 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 réussi. Ouais. Varsovie aussi, le centre-ville de Varsovie a été rénové. En Allemagne, il y a quand même quelques villes qui ont été reconstruites, donc comme Nuremberg. Est-ce que Nuremberg n'a pas été. Pas vraiment. Pas vraiment non, pas du tout. Au contraire, bon, on a conservé les plans, si on veut, des bâtiments, plus ou moins les cadastres, mais la ville elle-même a été reconstruite avec très peu d'amour et très peu d'efforts, justement, parce qu'elle était considérée si liée au passé nazi qu'on n'a pas voulu la reconstruire à l'identique. D'accord, tu vois. Mais alors, la question suivante va prolonger un peu cette réflexion de l'Européen que vous êtes, cette identité européenne qui vous vient d'ailleurs peut-être de ses origines belges, je ne sais pas, parce que l'identité belge est quand même quelque chose d'assez énigmatique, de ce pays à la frontière de... Un peu absurde aussi, on peut le dire entre nous. de ce pays qui est à la croisée des grandes cultures européennes, en fait. Et vous écrivez justement, page 97, ou 97, « La véritable frontière qu'il s'agit de défendre coûte que coûte, afin de sauver le citoyen européen du désastre, n'est ni celle située sur le Rhin et séparant la France et l'Allemagne, ni celle sur les Alpes et séparant le sud du nord de l'Europe, mais bien celle qui se trouve aux portes du Bosphore et qui sépare l'Occident du monde musulman. » À la fin de votre livre, en effet, vous affirmez que c'est seulement en se réappropriant l'idée européenne qu'on pourra faire face aux menaces qui viennent. Et donc, la question qui prolonge un peu la précédente, c'est comment se réapproprier cette identité européenne ? Est-ce justement, comme vous le sous-entendez peut-être dans ce passage, dans la prise de conscience de cette civilisation autre ou civilisation hostile qu'est la civilisation musulmane ? Est-ce que c'est dans ce rapport d'inimitié qu'on peut retrouver en fait une conscience européenne, ou est-ce que vous préconisez d'autres moyens en fait? Bon, là j'ai cité surtout la différence fondamentale entre la civilisation occidentale et celle musulmane, parce qu'on est toujours d'ailleurs dans le débat sur l'adhésion ou non de la Turquie à l'Union européenne, et donc là évidemment qui est un fait totalement absurde. C'est pour ça que j'ai insisté sur le Bosphore. Évidemment, il faut dire aussi que la civilisation occidentale est fondamentalement différente aussi de la chinoise, l'indienne, etc. Donc, je ne voudrais pas créer maintenant de dichotomie particulière Occident-Orient, mais dire voilà, nous avons notre civilisation et là, sa justification comme toutes les autres. Je les considère toutes aussi comme égales, quelque part, sur un point de vue de l'histoire globale, mais comme fondamentalement différentes, et chacune illustrant une certaine facette aussi de l'humanité. Donc je crois que, certes, nous avons aussi ce devoir d'être curieux par rapport à d'autres civilisations, nous intéresser à comprendre la pensée chinoise, musulmane, hindoue, africaine, que sais-je, parce que ça peut nous amener évidemment et apporter beaucoup de choses, mais nous devons aussi être conscients que d'abord, nous ne comprendrons jamais que véritablement notre propre civilisation, parce qu'elle est dans nos gènes, et je ne parle pas juste du corps, mais surtout dans nos gènes d'un point de vue intellectuel. Nous avons grandi là-dedans, nous baignons dans cette psychologie, cette ambiance de l'Occident, donc c'est la seule que nous comprendrons vraiment, et nous avons évidemment aussi ce devoir, je dirais, générationnel, de défendre cette civilisation qui nous a été léguée, et si ce n'est pas nous qui essayons de la défendre, de la comprendre, d'essayer de lui faire développer tout ce qui lui reste encore, en tout cas comme possibilité, eh bien, il n'y aura personne d'autre qui le fait, et le pari générationnel qui a animé des douzaines de générations avant nous aurait été rompu par nous, ce qui aurait été aussi un crime d'un point de vue moral, je dirais. Alors cette identité européenne, comme vous le disiez, je la ressens très fortement en moi-même, en tant que Belge bilingue, allemand, français. Oui, vous êtes germanophone. Voilà, assis sur ces deux facettes de la nature occidentale déjà assez différentes, l'une de l'autre. Être belge, c'est pas vraiment une identité nationale quelconque, facile, mais déjà quelque chose d'assez complexe. Donc forcément, je me sens très européen et je vois surtout ce qui nous unit. Et j'ai l'impression
l'impression qu'au-delà des différences, certes, qui existent entre les États-nations qui eux-mêmes sont quelque chose de relativement nouveau dans l'histoire européenne, bien, ce qui nous unit est beaucoup plus grand que ce qui nous sépare. Et d'autres générations en étaient d'ailleurs beaucoup plus conscients qu'aujourd'hui. On dit toujours qu'avant, il y avait l'âge de l'État-nation, les nationalismes, hein, qui voulaient tous s'attaquer les uns les autres, alors qu'aujourd'hui, nous nous aimons tous, hein, les uns les autres. Mais au contraire, je suis persuadé que même encore à l'aube de la Première Guerre mondiale, les intellectuels français et allemands étaient beaucoup plus conscients qu'ils étaient des Européens et qu'au-delà de toutes les différences, ils faisaient partie de la même civilisation qu'aujourd'hui, où justement ces mêmes intellectuels se rendent compte des différences nationales, ne se rendent plus compte qu'ils sont Européens et se sentent alors peut-être vaguement comme les citoyens du monde, ce qui ne veut pas dire grand-chose de mon point de vue. Et donc j'appelle en tout cas dans ce livre-là, parce qu'on parlera des conséquences politiques en ce qui concerne l'autre, j'imagine, Renovatio Europa, d'essayer aussi de cultiver en soi-même cet Européen intérieur, si on veut, c'est-à-dire de s'ouvrir aux autres nations, aux autres sociétés à l'intérieur de l'Europe, d'essayer de transmettre aussi à nos enfants cette complexité de l'identité européenne, pas dans un but de la nier ou de vouloir créer un genre d'américanisation homogène de l'Europe, mais plutôt de la voir dans toute sa richesse, mais de se rendre compte ce qui nous définit, nous en tant qu'occidental, et ce qui nous sépare fondamentalement d'un Chinois, d'un musulman ou d'un Indien, pour pouvoir justement agir politiquement avec une certaine intelligence et dans la défense de notre identité. Et donc de ce point de vue-là, entre parenthèses, très, très privé, je suis très heureux que mes fils grandissent ici trilingues et pratiquent quotidiennement le français, l'allemand et le polonais comme des langues qu'ils gèrent d'une manière tout à fait égal et tout à fait aisé, sans pour autant maintenant se lancer dans un genre de cosmopolitisme indistinct, mais plutôt dans la volonté de comprendre de l'intérieur la richesse, la complexité, parfois aussi la complémentarité ou non-complémentarité de ces différentes traditions nationales, mais qui sont tellement imbriquées que nous faisons tous partie de cette même civilisation européenne et que surtout qu'aujourd'hui, si nous voulons défendre même l'identité nationale française ou allemande ou polonaise, nous devons défendre l'Europe. Oui. C'est ça surtout le... C'est un point qui paraît très très important. Oui. Ouais. L'Europe, mais pas l'Union européenne, évidemment. Oui, mais d'ailleurs, on va arriver là-dessus. Alors, juste pour terminer sur ce chapitre et pour prolonger un peu cette idée. Quand justement vous parlez de ces civilisations qui sont autres, le monde islamique, mais le monde chinois aussi, qui sont vraiment à un même degré d'étrangeté, si je puis dire, comme ceci, est-ce que, vous avez aussi cité Hegel tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait pas justement voir une sorte, possiblement, de ruse de la raison, d'une certaine manière, dans cette présence massive et de plus en plus massive de peuples venant de civilisations étrangères, en l'occurrence la civilisation islamique, mais pas seulement. Est-ce que la présence massive de ces populations sur le sol européen ne pourrait pas, à terme, par une sorte de ruse de la raison, être l'occasion d'une prise de conscience de cette identité européenne à un niveau politique? Car je suis tout à fait d'accord, la plupart des intellectuels au début du XXe siècle étaient bien plus européens que nous ne le sommes aujourd'hui. Il y avait et même pas qu'au début du XXe siècle, mais au Moyen-Âge, l'époque de Dante, etc. Il y avait d'ailleurs le latin comme une langue commune. Voilà, ou le français au XVIIIe, avec Voltaire, qui traverse toute l'Europe. Mais politiquement, il n'y avait pas encore d'unité vraiment achevée. Est-ce que, justement, ce contraste, cette présence des populations venant de civilisations étrangères, ne pourrait pas être l'occasion de créer enfin l'Europe? Oui, oui. La vraie Europe. La vraie Europe. Europe. Oui, c'est quelque chose que je pense très souvent aussi. Je trouve que d'ailleurs le terme de ruse de l'histoire s'applique très bien. Je crois que d'ailleurs on le constate aussi ces dernières années, que les différents mouvements jadis nationalistes, souverainistes, etc., etc., qui ont longtemps eu des difficultés
à se coordonner les uns avec les autres, là, de plus en plus, constatent quand même, grâce justement à un antagoniste commun, qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Alors que ce soit que l'antagoniste soit l'Union européenne, et en tout cas cette élite globaliste, Cosmopolite, oui. cosmopolite, qui essaie justement d'imposer aux différents peuples ce carcan, qui n'est même pas un carcan européen, et qui est plutôt un carcan anti-européen, ou que ce soit justement le danger de l'islamisation, tout à fait évidente, évidemment, surtout quand on pense à la France, réveille quand même de plus en plus, j'ai l'impression, cette conscience qu'au-delà de ces différences nationales, nous sommes des Européens et que nous avons cette obligation de nous unir pour faire face à des dangers que nous partageons tous. Et d'ailleurs, il y a, comme on dit, il y a l'immigration de masse, mais il y a aussi le déclin démographique, qui est aussi quelque chose dont justement les conservateurs se rendent de plus en plus compte, alors que leurs ennemis considèrent ça comme une bonne occasion de faire disparaître. Parce que ça, au niveau européen, tous les pays européens souffrent de cette même perte tous. démographique. Oui, oui, tout à fait. Pas tout au même niveau, mais quand même. Et les pays de l'Est, à ce niveau-là, ne sont pas tellement plus encourageant, j'ai l'impression. Non, pas du tout, mais évidemment, ici, il n'y a pas non plus l'apport de population des sociétés immigrées qui ont généralement une fertilité quand même nettement plus élevée, notamment la France. Donc, je crois que justement le fait que la France ou le Royaume-Uni se tirent pas trop mal de l'évolution démographique actuelle est certainement aussi dû au fait que justement Oui, la tout à fait. population n'est plus vraiment une population européenne très, très homogène. Et puis à ce niveau-là aussi, il faut évidemment dire que je préférerais de loin une population déclinante, mais du moins solidaire, unie culturellement, etc., qu'une population qui s'accroît, mais qui se déteste de plus en plus mutuellement, qui Un risque de peu faire la guerre. comme l'exemple du Japon, en fait. Je pense Oui, qu'ici, il y a oui. une perte démographique, mais eux ont fait le choix de ne pas favoriser l'immigration extra-japonaise. Oui, en favorisant évidemment des choses comme l'intelligence artificielle Oui, ou la exactement. On robotisation, le n'entre pas une. transhumanisme, qui est évidemment aussi quelque chose que je ne verrais en tant que conservateur, en tout cas avec une grande distance. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce phénomène de multiculturalisme, là aussi, n'est pas ni nouveau dans l'histoire. On voit à la fin de la République romaine aussi exactement Vous le le montrez même dans votre livre, phénomène. d'ailleurs. Voilà, on le voit dans toutes les grandes civilisations, leur période finale est marquée justement par l'immigration de masse, par Juvénal en la. parle d'ailleurs, je crois, dans sa Voilà, de, sous satire. l'Empire, voilà, sous la fragmentation culturelle, ethnique, et justement sur une réflexion de plus en plus constructive sur, voilà, nous sommes désormais une société multiculturelle, si nous le voulons, non, mais voilà, la réalité est telle qu'elle. Comment peut-on faire pour sauvegarder quand même ce qui reste encore de cette unité, de cette véritable identité culturelle traditionnelle, et comment est-ce qu'on peut la gérer et la défendre pour justement la rendre plus intégrative par rapport à ces autres. Et donc là, on est vraiment aussi presque dans un vocabulaire hegelien, on est aussi à la transition où justement en tant que conservateur européen, il faut cesser de voir notre identité collective sous le biais ethnique, mais le voir de plus en plus sous le biais civilisationnel comme une culture, comme un faisceau identitaire qu'il faut maintenir, mais l'ouvrir d'une manière à pouvoir justement intégrer, absorber, assimiler au long terme ces différentes sociétés parallèles, car si nous ne le faisons pas, alors là nous courons tout droit vers la guerre civile. Très bien. Donc cette dernière question m'amène à passer au troisième livre, Renovatio Europae, la rénovation de l'Europe, plaidoyer pour un renouveau expérialiste de l'Europe. Alors, avant de commencer, donc ce livre est un livre collectif en fait, rédigé avec des auteurs polonais, hongrois, allemands également, Français, et français. italien. Oui.
tout d'abord, avant d'en parler, qu'est-ce qui vous a motivé en fait à diriger ce livre? Quel était le contexte d'écriture en quelque sorte? Mais comme je disais d'emblée, quand j'ai rédigé Que faire, je me rendais compte que la réponse à tous les problèmes qu'avait soulevé mon livre Le déclin devait être double. Elle devait être d'un côté individuelle, privée, intime presque, comme Que faire, mais évidemment elle devait aussi être politique. Donc je savais d'emblée qu'il fallait faire un diptyque. J'avais d'ailleurs déjà écrit même un manuscrit complet de livre moi-même qui aurait pu faire ou dû faire un diptyque avec Que faire. Et puis entre-temps, voilà, j'ai émigré ici en Pologne, et donc justement là se posait la possibilité de transférer toute une série des pensées que j'avais déjà pour un nouveau livre dans un ouvrage collectif, et donc par le choix des sujets, par le choix des auteurs évidemment aussi, j'ai plus ou moins réussi, je crois, à transformer dans un ouvrage collectif les idées qui me tournaient déjà un petit peu dans la tête. Bon, évidemment, tous les auteurs ne pensent pas exactement la même chose que moi, donc il y a certains articles avec lesquels je suis plus d'accord, d'autres un peu moins peut-être, mais disons que en grande partie, ça va dans la bonne direction, c'est-à-dire celle justement de la nécessité d'un renouveau européen sur une base patriotique et plutôt traditionnaliste, en tout cas d'un point de vue solidaire par rapport à notre passé. Donc ce livre, il décline ça. Alors le contexte, il est évidemment aussi très, très typique, dans le sens que justement, c'est ici en Pologne en particulier, et peut-être en général dans les pays Visegrad, que je trouve justement, beaucoup plus qu'à l'Occident, cet esprit d'un patriotisme européen qui n'est pas opposé à un patriotisme national aussi. C'est-à-dire, je vois surtout en France ou en Allemagne, soit ce globalisme, ou alors un genre de souverainisme nationaliste, etc. Encore parfois très anti-allemand ou genre de choses. Voilà, qui fait revenir de vieilles, de vieilles velléités qui, à la limite, sont très, très autodestructrices. Or, ici, je trouve que même beaucoup de conservateurs ont un certain patriotisme polonais, mais toujours comme faisant partie d'un patriotisme européen plus large. Même quand vous entendez des discours de Viktor Orban, par exemple, c'est jamais nous les Hongrois, mais Orban c'est toujours... Orban est peut-être d'ailleurs le dirigeant qui a la conscience européenne la plus développée. Exactement, exactement. Et donc là, on parle vraiment de la défense de l'Europe, mais de la véritable Europe. Pour ce qui est des Polonais, ils sont quand même très anti-russes. Encore une fois, j'imagine que chez les conservateurs polonais, il doit y avoir un ressentiment historique envers la Russie encore très fort, ou au contraire, vous trouvez que ça commence à disparaître? Donc ça fait certainement encore partie de la mentalité polonaise, d'avoir une très grande méfiance par rapport à la Russie. Faut pas oublier qu'il y a des régions entières de la Pologne qui ont été occupées d'une manière presque ininterrompue depuis 200 voire 250 ans par la Russie, donc et par l'Allemagne aussi. Et par l'Allemagne aussi, évidemment. Et donc ça crée forcément une certaine peur quelque part d'un retour de la Russie, d'autant plus que voilà le différend catholique orthodoxe est quand même assez fort, et qu'il y a là-dedans aussi ces velléités du grand et du petit frère slave quelque part, ces animosités à l'intérieur aussi d'un même groupement culturel plus large, si on veut, qui joue. Mais aussi en même temps, et là on revient évidemment à une question très, très spenglerienne, aussi la question, est-ce que la Russie fait partie de la civilisation occidentale ou non? Je dirais que probablement la plupart des intellectuels actuels russes diraient probablement que non, que la Russie est quelque chose d'eurasien, une civilisation russe à part. Civilisation à naître. Spengler avait dit la même chose. Pour lui, c'était aussi une civilisation fondamentalement différente, et donc, pour Spengler notamment, ben, c'est justement un peu à l'est de la Vistule que se situe la fin de l'Europe, vu qu'au-delà, c'est une civilisation russe encore à naître, finalement, qui commencerait. Donc c'est peut-être aussi ça que certains Polonais croient ressentir, dans le fait que, voilà, on est occupé par un pouvoir qui parle certes une langue similaire à la nôtre, qui certes est chrétienne, mais qui, au fond, vit sur un paradigme psychologique entièrement différent.
peut-être, en tout cas. Donc il y a ça, et c'est pour ça aussi que dans notre ouvrage, on se concentre surtout sur une unification européenne, un certain patriotisme européen qui comporte la vieille Europe, celle aussi unie en grande partie, même si pas entièrement, par l'Union européenne, sans incorporer la question de l'appartenance ou non de l'espace russe à cet ensemble. Ouais. Oui. Alors, une autre question qui va peut-être être suscitée dans l'esprit des spectateurs. Comment, vous en avez déjà un peu parlé au début, mais peut-être c'est l'occasion de revenir là-dessus. Comment concilier le déclin de l'Europe avec la rénovation de l'Europe? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre l'idée d'un déclin inéluctable comme faisant partie d'une phase inscrite dans le développement historique de cette civilisation et un projet de rénovation en tant que tel? Oui, je crois que là, il faut faire la différence entre l'idée d'une renovatio et d'une renaissance. Alors, il est sûr que nous n'aurons pas de renaissance européenne. Il n'y aura jamais vraiment un retour à l'ancien esprit européen, retour de nouveau à cette plénitude créatrice, etc., que nous avons pu connaître au Moyen-Âge, au début de l'époque moderne. Ça, c'est sûr. Notre civilisation est en train de s'épuiser, mais, comme je le disais déjà avant, ce qui n'est pas exclu, ce qui est même probable, et je dirais même souhaitable, c'est ce dernier regain, finalement, ce dernier regain civilisationnel, augustéen, si on le veut, qui est à la fin de chaque civilisation dans l'histoire mondiale, et que j'attends aussi pour l'Europe. Et donc c'est un peu dans cet esprit-là que je conçois cette renovatio comme un genre de possibilité rétrospective de donner sens à l'ensemble de ce qui est derrière nous en tant qu'histoire, et surtout la possibilité d'organiser cet espace, d'organiser cette civilisation d'une manière finale pour la rendre alors résiliente pour les générations, peut-être même les siècles à venir, tout comme l'Empire romain aussi a pu faire face à beaucoup de dangers pendant des siècles. Je suis peut-être un peu plus pessimiste par rapport à l'Europe actuelle, vu que l'Empire romain n'a pas eu d'ennemis aussi, ou en tout cas de concurrents aussi puissants que l'Europe là aujourd'hui sous forme de la Chine. Donc là, on est évidemment dans une constellation un peu différente, mais justement, cette constellation-là nous oblige probablement encore à former une unification politique encore plus intense, plus résiliente, plus capable de se défendre aussi à l'extérieur. Et c'est un peu dans cet esprit-là que j'entends ce mot « renovatio », qui fait évidemment aussi allusion à l'idée de la renovatio imperii, ou différentes formes de renovationes imperii qu'on a connues sous le Moyen-Âge, où il s'agissait aussi à chaque fois de revivre finalement une idée d'unification impériale oubliée, mais si nécessaire à constituer cette identité européenne. L'idée impériale a quand même souvent hanté l'histoire européenne, d'ailleurs. Tout à fait. Mais pour que ce soit clair vraiment pour les spectateurs, pour vous, d'une certaine, ben, si je vous suis bien, la période de l'Empire romain, qui a commencé avec Auguste, avec le Principat, n'est pas une période de grande création intellectuelle, de renouveau intellectuel ou artistique, ce genre de choses. C'est plutôt la solidification, d'une certaine manière, d'un modèle passé où on imite et on essaie de préserver ce qui avait été apporté par les civilisations helléniques et la République romaine, c'est bien ça, mais qu'il n'y a pas de renouveau au sens strict de la culture romaine, c'est ça? Oui, absolument. Pour moi, l'Empire romain n'est pas l'apogée de l'Antiquité, c'est la fin. Parfois une idée qu'on a, c'est que territorialement, l'Empire romain, avec, je pense, le Trajan atteint son apogée territorial, et donc parfois on a dans l'image populaire l'idée que l'Empire romain, c'est l'apogée de Rome. Pour vous, vous dites plutôt au contraire, c'est la fin, c'est le déclin de la civilisation romaine. Tout à fait, c'est, si on veut, la pétrification de cette civilisation. Alors certes, surtout sous le début de l'Empire, on voit certains sommets au niveau de la complexité, de la richesse matérielle de Rome, au niveau de l'infrastructure, au niveau de son extension, mais justement, cet apogée, il est d'ordre purement extensif, quantitatif, il n'est pas qualitatif. Je dirais que le sommet, l'apogée
qualitatif de l'Antiquité classique se situe au 5e, 4e siècle en Grèce, en Italie évidemment, en Sicile, etc. Là, on a certainement le moment de la plus grande complexité politique, originalité, intellectuelle, richesse artistique. Déjà depuis le début de l'hellénisme, tout cela se transforme un peu comme chez nous depuis Napoléon, depuis le début de l'industrialisation, vers une orientation vers l'extérieur, vers la technologie, vers l'impérialisme, le colonialisme, le fait de ne plus nécessairement créer des œuvres d'art, mais plutôt de les commenter, ou les rassembler, ou les canoniser. Tout ça se passe dans l'Antiquité à partir du 3e siècle, chez nous à partir du 19e siècle, si on veut. Et donc l'Empire est finalement le stade final où cet élan vital, si on veut, cesse vraiment d'agir, où toute cette, si on veut utiliser une image botanique, où cette plante, ou cet arbre, si on veut, de la civilisation gréco-romaine se pétrifie, cesse de vivre, mais là, dans sa plus grande extension, cesse de fleurir, mais existe toujours sous forme matérielle. Et tout ce qu'on a comme création indéniable sous l'Empire sont essentiellement des imitations de modèles précédents. Bon, nous, on a souvent perdu les modèles précédents, nous ne connaissons que les On se formes. rattache à Sénèque, On Marc connaît les formes. Aurèle. Voilà, mais qui au fond sont des épigones par rapport à la véritable philosophie stoïque qui s'est déroulée plusieurs siècles à l'avant. La même chose quand pour l'art, la même chose quand aussi pour l'évolution politique. Nous voyons là beaucoup plus un genre de primitivisation, de recul civilisationnel, un genre de simplification de cette civilisation, mais certainement pas une véritable évolution créatrice. Faut évidemment encore faire la différence, mais là c'est vraiment des détails techniques entre l'Occident, l'Orient, l'Empire romain. Dans l'Occident, tout ça est évident. Dans l'Orient, il est, selon moi, en tout cas, à voir sous le paradigme de la civilisation chrétienne et musulmane naissante qui recouvre le premier millénaire après notre ère et qui domine surtout la Syrie, l'Égypte, l'Asie mineure. Et là, on a en effet quelque chose qui peut nous sembler comme une nouvelle originalité qui naît, mais qui, de mon point de vue, celui de Spengler aussi, ne fait pas partie organique de la civilisation gréco-romaine, mais fait partie déjà d'une toute nouvelle civilisation qui naît à l'intérieur de ce carcan de plus en plus vide et formalisé de l'Empire romain. Et c'est un peu cette phase-là, justement, que j'attends pour nous aussi, avec évidemment un début, entre guillemets, augustéen qui permettra d'organiser, de canoniser, quelque part de rendre résilient ce qui reste encore de la civilisation européenne, mais pour la transférer alors dans un stade final qui peut peut-être encore rester résilient et défendre ce qui reste de notre identité pendant quelques générations, peut-être quelques siècles, mais qui n'aura plus jamais cette vitalité qu'on a pu connaître au grand siècle sous Louis XIV ou quelque part sous la Renaissance ou sous le haut Moyen Âge. Ce sera totalement différent. Un peu comme en Chine, où là aussi on voit, depuis la constitution de l'Empire des Han, aussi cette pétrification de la Chine qui avait son véritable moment de gloire sous les royaumes combattants et surtout sous l'époque du printemps et d'automne, où là on voit une Chine divisée dans des douzaines et des douzaines de petites principautés où partout fleurissent les arts, la philosophie, la politique, où on innove, où on invente des nouvelles choses. À partir du moment où tout cela est unifié par les Han, au fond, la civilisation chinoise classique, en tout cas, se pétrifie également. Ça, on connaît dans chaque civilisation et c'est ce qui nous attend à nous. Mais, comme on disait au début de notre interview, il faut l'accepter, il n'y a pas d'alternative. La seule alternative à cela serait la fragmentation totale de l'Europe maintenant. Et donc, nous n'aurons même pas cette possibilité de survivre au moins pendant quelques générations sous la protection de cet état final Oui, cette impérial. civilisation pourrait mourir avant son terme, c'est ça. Il y a ce risque. Bon, ce risque ne s'est pas encore passé dans l'histoire, mais justement, c'est le combat que nous devons mener, tout comme ce combat a été mené dans toutes les autres civilisations, c'est-à-dire d'œuvrer pour l'émergence de cette Renovatio Europae.
Et c'est là que nous avons justement le choix. Est-ce que nous œuvrons déjà maintenant pour cette nouvelle Europe, dans le sens, ce qui nous permettrait de conserver encore toute une série d'éléments encore vivants de notre civilisation, notamment aussi un certain pluralisme politique, tout comme aussi certaines visions sur les droits des individus, etc., que nous pourrions encore sauver maintenant. Ou alors, est-ce que, en effet, nous ratons cette occasion? Est-ce que nous devons alors passer à travers une phase de transformation qui pourrait être très violente et où, à la fin, on aura quand même l'émergence d'un tel empire, si on veut, européen final, mais alors construit sur la base de la violence, de l'armée, de la police, avec là alors des possibilités de liberté individuelle nettement moindres. À Rome, le même problème se posait. Finalement, on aurait déjà pu avoir sous Pompée le Grand la possibilité justement de l'élaboration d'un genre de principat qui aurait pu conserver certaines formes libertaires de la République pendant beaucoup plus longtemps. Or, cette tentative-là a échoué et sous Auguste, on a eu finalement quand même, grosso modo, la même chose, mais en plus violent et plus autoritaire. Et donc c'est un peu ça, Pour éviter la guerre cette civile, en croisée fait. Ouais. de chemin, Oui. tout à fait. Et donc, dans cette dernière phase de la civilisation européenne, occidentale, vous en appelez à la constitution d'une idéologie sceptique ou hostile à l'Union européenne, mais favorable à l'idée européenne en tant que telle, car cette époque, selon vous, nécessite l'émergence d'un réel mouvement pan-européen, on pourrait dire, un mouvement que vous qualifiez d'espérialiste, justement. Le sous-titre de votre livre, c'est Plaidoyer pour un renouveau espérialiste de l'Europe. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme qui est un néologisme, je crois, espérialisme? Comment qualifieriez-vous cette politique espérialiste? Déjà, le mot pan-européen renvoie aussi un peu au fond de ce qu'aurait pu être déjà un espérialisme à ce moment-là, de ce que moi j'ai aussi essayé de mettre en avant, parce que quand on voit dans le passé de cette évolution, de ce mouvement pan-européen, de Karol Nowakalergi, on voit très bien que, en dépit de toute la controverse sur l'aspect, disons, globaliste, universaliste de Nowakalergi, on voit surtout qu'il y a un réel intérêt pour le mouvement pan-européen de la part des Habsbourg, c'est-à-dire de l'ancienne tradition impériale européenne qui, jusqu'à maintenant d'ailleurs, a essayé de chaperonner, d'appuyer justement ce mouvement pan-européen, parce que, au moins d'un point de vue de la maison d'Habsbourg, et donc finalement des détenteurs encore actuels finalement de cette autorité impérial remontant jusqu'au Moyen Âge, ce mouvement pan-européen aurait pu être une certaine chance pour rétablir une idée européenne justement à fondement transcendant, pas juste laïque, positiviste, relativiste, etc., mais justement basée sur cette identité traditionnelle, aussi fortement chrétienne, de l'idée impériale du Moyen Âge. Bon, on sait évidemment que ce mouvement pan-européen a eu ensuite une évolution très complexe. On voit aussi que justement, il a été repris par les différentes institutions de l'Union européenne qui en ont fait plus ou moins le contraire de ce que certains, au moins de ses fondateurs, avaient voulu mettre en œuvre. Où justement cette approche plutôt transcendante a été transformée en genre de matérialisme, et où le conservatisme chrétien qui était à l'origine s'est transformé beaucoup plus en un genre d'activisme socialiste, écologiste, libéral, etc. Bon, ça c'est évidemment de l'histoire ancienne. Alors l'idée derrière le mot espérialisme, c'est justement que nous ne devons pas laisser le champ de bataille, pour ainsi dire, aux européistes, et surtout pas nous laisser intégrer dans une dichotomie fausse, où soit on est pour l'Europe et donc on est pour l'Union européenne et donc on est européiste et on soutient ce régime bruxellois, ou alors on est contre et donc forcément on doit être nationaliste, souverainiste et pour un morcellement de l'Europe, une quarantaine de petits États qui tous maintenant vont commencer forcément à
rentrer en concurrence les uns avec les autres, se laisser soudoyer par les Chinois, les Saoudis, les Russes, les Américains, et finalement devenir un genre de champ de bataille d'intérêts qui ne seraient même pas les leurs. Et c'est un peu entre ces deux extrêmes que mes co-auteurs et moi, on a essayé de postuler qu'il faut allier conservatisme et aussi un certain patriotisme national avec la conviction que sans l'Europe, les États-nations seront perdus aussi, et qu'il faut se rendre compte de ce qui nous unit partout au-delà des États-nations en tant qu'Européens, et remplir cela aussi d'une certaine, d'un certain amour patriotique, d'une certaine fidélité, et de se rendre compte, comme on disait tantôt, que l'identité française, elle est justement défendue par un projet européen conservateur et patriotique, qui est très différent forcément de l'Union européenne. Et donc on n'a pas pu évidemment donner à cette idée-là, c'est-à-dire d'un conservatisme patriotique européen, pro-européen, le nom d'européisme ou d'occidentalisme, européanisme aussi, européanisme, etc. Occidentalisme donc, peut-être. Occidentalisme, mais là on serait rentré dans le débat avec Saïd. Surtout avec Saïd, orientalisme, occidentalisme, donc ça aurait été fort d'un point de vue terminologique assez compliqué, donc on s'est plutôt rabattu sur l'appellation Hesperos pour l'Occident, justement, en appelant ça l'espérialisme, avec cette idée justement que ce qui nous unit en tant qu'Européens, et ce qui nous distingue fondamentalement des musulmans, des Indiens, des Chinois, etc., c'est cet espoir faustien, cette volonté, cette pulsion d'aller plus haut, plus loin, plus fort, de voir ce qui est derrière l'horizon, d'être en quête de quelque chose d'absolu qui est inatteignable, mais que nous voulons quand même, posséder. Évidemment, une pulsion qui a des hauts et des bas, forcément, ça peut mener au meilleur et au pire, mais c'est une constante de l'histoire européenne depuis le Moyen-Âge et quelque chose qui nous distingue, comme je disais, des Chinois, des musulmans, d'autres civilisations comme l'Antiquité, l'Égypte ou autre chose, qui n'ont jamais eu cette pulsion-là, qui ont connu d'autres forces qui les avaient. Mais c'est intéressant ce que vous dites, justement, parce que, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, que la civilisation antique était aussi différente de la civilisation européenne. Je pense aussi qu'elle n'avait pas cette pulsion que vous décrivez, cette pulsion faustienne, comme le dit Oswald Spengler, donc, qui à la fois s'appuie sur les forces immémoriales, on dirait du conservatisme aujourd'hui, mais le terme est très certainement impropre, sur la tradition, et aussi sur un désir de renouvellement de ces formes, d'innovation perpétuelle, de ce désir d'aller toujours plus loin, comme les navigateurs qui traversent le détroit de Gibraltar où il est écrit « Nec plus ultra », n'allez pas plus loin, mais justement l'esprit européen va plus loin. Ouais. Donc c'est ça qui, selon vous, décrirait le mieux en fait cette arme européenne. Absolument, et ça renvoie déjà à la devise des Habsbourg, « plus ultra ». C'est-à-dire qu'il faut aller toujours plus loin. Et ça, c'est évidemment typique pour l'homme européen, en bien comme en mal. Bon, au Moyen-Âge, il faut se dire aussi que ce plus ultra pouvait se diriger aussi dans la quête de sa propre, de son salut, de sa spiritualité. Donc ça avait évidemment un aspect à la fois transcendant, mais aussi profondément intime dans la quête de notre immortalité spirituelle. Évidemment, chez nous, de plus en plus, cette pulsion faustienne s'est de plus en plus épuisée en une quête purement matérielle, d'être plus vite, d'avoir un empire plus grand, de développer des machines qui produisent encore plus. Donc ça s'est d'une certaine façon concentré de plus en plus vers un simple accroissement quantitatif et plus qualitatif, mais là, une fois de plus, c'est typique pour chaque civilisation déclinante, où là aussi dans l'Antiquité, on voit depuis l'hellénisme, certes un accroissement des proportions, que ce soit dans les bateaux, les bâtiments, les œuvres d'art ou autre chose, mais au fond, il n'y a pas une véritable intensification qualitative, mais plutôt une extension de plus en plus grande, on pourrait dire une américanisation, parce que justement cette américanisation actuelle, eh bien, elle est typique évidemment pour cette phase de l'identité faustienne. Et donc c'est un peu tout ça qui se trouve aussi dans ce terme d'espérialiste, notamment cette notion d'Occident et qui reflète si
typiquement l'image archétypale de l'Européen qui est attiré par la mer, par l'horizon, par les îles qui peuvent se trouver. Donc cet espoir qu'il y a, que ce soit l'île d'Avalon, que ce soit l'île d'Utopia, que ce soit chez Tolkien, le Valinor, Númenor. Donc disons cet espoir qu'il faut aller plus loin, qu'il faut oser aller sur l'inconnu, parce qu'il y a derrière, il y a quelque chose qui nous intéresse et qui est, une fois de plus, quelque chose qui est absolument étranger à d'autres civilisations et qu'il faut embrasser d'une manière positive et qu'il faut mettre justement à la place de cette chimère de valeurs européennes Qui ne veut rien dire. qui veulent absolument rien dire, qui sont certes aussi ancrées dans notre identité et qui ont une longue histoire, mais qui sont de plus en plus devenues des coquilles vides dans lesquelles on met ce qu'on veut, et surtout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est évidemment une propagande absolument gauchiste, libérale, qui de fait démente la véritable Europe au lieu d'aider de la construire. Donc on appelle finalement un combat contre l'Union européenne réellement existante au nom de la véritable Europe, et donc on n'appelle pas non plus à un démantèlement de l'Union européenne et de retour à l'État-nation, mais plutôt à une transformation fondamentale de l'Union européenne qui, même si ça peut sonner paradoxal, nous semble beaucoup plus réaliste, si on veut, qu'un détricotage total de l'Union européenne qui n'est plus à l'ordre du jour et en tout cas qui ne le sera certainement pas pendant très longtemps. Oui, je comprends. Du coup, pour vous, le modèle de l'État-nation, comme vous l'avez dit, est un modèle dépassé, en fait, pour faire face aux enjeux de notre temps, et vous proposez plutôt de se tourner vers les modèles du Sacrum Imperium, du Saint-Empire romain germanique, ou de la première Rzeczpospolita Polska, la première république des deux nations qui regroupait les royaumes de Pologne et de Lituanie vers la fin du XVIe siècle et jusqu'à la fin du XVIIIe. En quoi, pour vous, il s'agit là de modèles plus féconds pour l'Europe de demain? Alors, il faut dire d'abord que je ne considérerais pas l'État-nation comme dépassé dans le sens qui n'a plus de sens. Au contraire, actuellement, l'État-nation est une communauté d'identité, donc de solidarité, très important, parce qu'il est évidemment évident que quelqu'un parlant polonais se sentira toujours plus solidaire d'un autre qui parle polonais que de quelqu'un qui parle espagnol, par exemple. Donc, c'est des communautés de solidarité qui sont très logiquement aussi fortement ancrées dans tout ce qui est démocratie participative, parce que justement la démocratie, elle est basée sur cette idée d'une solidarité. Donc je ne dirais pas que l'État-nation est dépassé dans le sens qu'il faut maintenant dissoudre les États-nations et en faire autre chose. Je ne dirais pas. Je crois que pendant encore assez longtemps, ces États-nations vont exister comme les véritables pilier d'une Europe future. Ça, c'est, je crois, quelque chose d'important à dire, mais il y a toute une série de compétences que l'État-nation ne peut plus remplir. Parce que d'un côté, économiquement, nous sommes tous tellement enchevêtrés les uns avec les autres que un retour à des véritables frontières n'aurait pas de sens. Il est sûr que face à des empires émergents comme la Chine, comme peut-être bientôt l'Inde, comme de toute façon les États-Unis et d'autres, nous devons nous mettre ensemble pour nous défendre, pour avoir une défense commune. Nous devons défendre nos frontières aussi contre l'immigration de masse. Hein. Il y a 1,5 milliard d'Africains qui potentiellement Pourrait venir, oui, se pourraient déverser venir, en Europe. qui ont un certain intérêt en tout cas à venir chez nous. Donc on ne peut pas laisser maintenant le poids de la défense de l'Europe juste à la Grèce en lui disant c'est votre affaire, arrangez-vous. Donc il faut certes attribuer toute une série de compétences à un centre, notamment aussi en tout ce qui est garantie de nos ressources stratégiques, où là aussi on a un intérêt de collaborer ensemble. Nous avons aussi tout ce qui est échange scientifique, beaucoup de grands projets vraiment à envergure fondamentalement d'un point de vue historique, ben on ne peut pas les faire en tant que petit État, il faut des finances énormes, il faut que des esprits, de grands esprits de toutes les nations se mettent ensemble là-dessus. Il y a évidemment aussi l'idée d'avoir une infrastructure pan-européenne
ça ne fait, construire une autoroute ne fait que qu'un sens que si à partir de l'autre pays elle est reprise quelque part. Et bon, il faut calculer évidemment le coût de tout ça, aussi des lignes de chemin de fer à grande vitesse, etc. Donc il faut une coopération et pour toute une série de points, l'Europe ou une Europe expérialiste en tout cas sera beaucoup plus à même à remplir ses tâches que uniquement l'État-nation replié sur lui-même. Mais ce qui est essentiel pour cela, c'est évidemment que cette Europe, très contrairement à l'Union européenne, œuvre dans l'intérêt des États-nations et soit aussi en solidarité avec son histoire et se sente, pour ainsi dire, loyale par rapport à son passé, aux intérêts que l'Union européenne actuelle, dont on a souvent l'impression qu'elle est plutôt l'ennemi de l'identité européenne que son véritable garant. Et c'est pour ça que le modèle justement du Sacrum Imperium me paraît très intéressant, d'un côté, évidemment, en tant qu'historien, parce que c'est de là qu'est née l'Europe, l'Empire carolingien, dans lequel il n'y avait pas encore de différence entre Entre les francs, parties oui. espagnoles, ou parlant des langues germaniques ou romanes ou italiennes. Certes, ces différences commençaient à exister, mais cet empire en tant que tel les englobait tous. Et évidemment, le Saint-Empire romain, plus tard, beaucoup plus tard, seulement appelé germanique, était aussi un empire multiculturel, dans le sens qu'il n'y avait pas que des territoires allemands, mais aussi français, polonais, italiens, Nord-italien aussi, oui. nord-italiens, danois, etc. Donc c'est de là que vient notre Europe. Donc c'est un peu logique que si maintenant, à la fin de notre cycle, nous voulons quelque part trouver un modèle sur lequel nous pouvons nous organiser, nous n'avons pas nécessairement besoin d'inventer quelque chose de fondamentalement nouveau. Il suffit de regarder dans l'histoire, de regarder de là où on est venu, là où cette unité politique était déjà acquise, et de revenir à ce modèle-là. Et justement, il y a deux avantages dans ce modèle du Sacrum Imperium. D'un côté, le fait que cet État-là n'était justement pas une république matérialiste, laïque, relativiste, sans aucune véritable ancrage identitaire, mais que d'emblée cet imperium était sacrum, c'est-à-dire qu'il justement relevait d'un lien avec la transcendance, avec notamment évidemment le christianisme, et n'était pas juste un État comme beaucoup d'autres, mais clamait une fonction tout à fait spécifique dans le destin de l'histoire mondiale. C'était vraiment la représentation ultime de quelque chose qu'on trouve déjà au moins au début des traités européens dans les années 50 ou 60, cette idée que nous formons, que nous avons tous un destin commun. On trouve ça dans les années 50, 60, on voit que ce terme de destin commun européen apparaît et puis ça disparaît de plus en plus parce que ça sonnait irrationnel. Mais c'est justement cette idée d'un destin commun, c'est-à-dire d'une fonction qui nous est imposée par le haut et que nous devons garantir et qui n'est pas seulement celui d'une efficacité politique quotidienne, mais plutôt d'un rôle transcendant que nous devons remplir, est inclus dans cette notion justement de Sacrum Imperium. Et c'est pour ça que il me semble que le retour à cette tradition-là semble tout à fait important. Et puis il y a surtout l'aspect tout à fait concret qui touche à l'organisation du Sacrum Imperium, ou notamment aussi de la Rzeczpospolita Polska, où là on voit notamment des éléments comme le fait que le souverain est élu, hein, l'empereur du Saint-Empire ou le roi de la République polonaise Par sont la élus diète. à chaque fois par des diets dans lesquels vous avez, en tout cas dans le Sacrum Imperium, des représentants de tous les ordres qui sont présents, un genre de proto, je dirais pas démocratie, mais en tout cas de participation corporative électorale. Donc ce n'est pas un État autoritaire dans ce sens-là, mais il y a Et cette qui n'est pas participation, centralisateur aussi. exactement, qui est un État quand même participatif. Et puis les pouvoirs justement de cette tête de l'État sont aussi confinés justement exactement aux choses dont nous avons besoin aussi, la défense commune, l'assurance de certaines règles, normes à l'intérieur, le fait de juger dans les litiges qui pourraient se présenter entre les citoyens ou les États composants. Et puis, surtout, ces États étaient des États fédéraux, même plus que fédéraux, qui étaient extrêmement complexes et où chaque composante, que ce soit des villes,
que ce soit des évêchés, que ce soit des duchés, des royaumes ou autre chose, avaient chacun leur indépendance, leurs règles, leurs coutumes, leur patriotisme, leurs différends forcément, qui étaient alors réglés par le roi ou par l'empereur, donc par cette fonction élective, une fois de plus. Et cela me paraît beaucoup plus intéressant comme modèle pour assurer cette subsidiarité dont on parle tellement souvent, et surtout cette égalité entre États-nations très différents, avec des traditions très particulières, et justement aussi une assise démocratique très différente, au lieu d'aller vers un système bruxellois où c'est grosso modo la Cour européenne de justice qui décide du jour au lendemain comment tous ces États devraient gérer des points essentiels de leur organisation interne et qui n'a absolument rien à faire avec la survie fondamentale du continent. Donc c'est un peu ça, cet appel de s'inspirer de nouveau de ces deux piliers finalement de notre identité et surtout de celle de ces États médiévaux et modernes. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le Saint-Empire romain n'a été dissolu que sous Napoléon. C'est comme un État qui a survécu presque 1000 ans d'existence, donc beaucoup plus que la plupart des États-nations, quelque part, et qui incorpore en tant que tel même cette identité européenne. Donc je dis, il faut renouer avec cet esprit-là. Certes, il faut pas faire un copier-coller d'un État médiéval vers un État du XXIe siècle, ce serait naïf forcément, mais disons de s'inspirer de ces traditions et de renouer avec une tradition qui est la nôtre, qui une fois de plus est inscrite dans nos gènes culturels et qui pourrait avoir beaucoup plus d'acceptation et beaucoup plus d'utilité si on veut que cette construction bruxelloise qui part de plus en plus à la dérive et qui est en train de discréditer l'idée européenne en tant que telle. L'Union européenne est devenue une menace pour l'Europe et pour le processus d'intégration européenne. On ne peut pas le répéter assez souvent et se rendre compte que justement le devoir du conservateur et même celui du patriote national, c'est justement de défendre l'Europe contre l'Union européenne. Oui, je vois. Alors j'ai une dernière question pour terminer cet entretien. Comme vous l'avez dit au début, vous êtes maintenant en Pologne, nous sommes ici à Varsovie, et vous travaillez pour l'Institut Zachodni de Poznan, et je voulais avoir votre opinion sur ces pays qu'on nomme pays du Visegrad, pays d'Europe centrale, ou on préfère d'ailleurs être appelé Europe centrale qu'Europe de l'Est, je crois, oui, ici. Absolument. Est-ce que vous voyez dans cette résistance de ces pays d'Europe centrale l'émergence d'un nouveau modèle, peut-être le modèle que vous appelez de vos voeux, ou est-ce que vous n'y voyez que le dernier chant du cygne, en fait, avant la capitulation, avant la submersion totale de l'Europe? Ça, c'est difficile à dire, vu qu'on ne peut pas se projeter si loin dans le futur, maintenant précis, de l'Europe centrale, notamment regarde le fait que nous vivons justement des temps très 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 tourmentés ici en Pologne avec les attaques justement de la Commission, du Parlement, de la Cour européenne de justice sur l'ordre intérieur de la Pologne et qui est dirigé évidemment pas du tout contre la forme des différentes réformes qu'on a pu connaître ici, mais tout simplement contre le fait que justement la Pologne soit dirigée depuis 6 ans par un gouvernement conservateur qui est une épine finalement dans l'orteil de l'Union européenne, qui ne veut pas que ce genre de choses-là puisse fonctionner et en plus encore avoir un certain succès. Donc il faut par tous les moyens, d'un point de vue bruxellois, éradiquer ce gouvernement polonais actuel avec toutes les forces de l'Union. Et donc c'est pour ça que c'est difficile à dire, vont-ils réussir, ne vont-ils pas réussir, la pression est immense. Heureusement, les élections ne sont que dans 2 ans, me semble-t-il, mais disons que tout est possible avec cette pression-là. Maintenant, en ce qui concerne les États Visegrad, je dirais qu'il y a un certain espoir, en effet, de se dire qu'on aurait là
la naissance d'une forme alternative de coopération entre États européens relativement différents, mais en tout cas tous d'accord sur des points essentiels en ce qui concerne l'identité culturelle, en ce qui concerne la famille traditionnelle, en ce qui concerne l'attachement émotionnel à notre histoire, l'autonomie interne, etc. Donc ça pourrait devenir quelque chose de très intéressant qui peut-être un jour pourrait s'opposer à l'axe Paris-Berlin, qui contrôle Bruxelles forcément, qui justement est en train de saper cette identité européenne. Vont-ils réussir? C'est un pari sur Difficile à l'avenir, en dire, fait. c'est un pari à voir. Moi, j'ai parfois cet espoir que, espoir en tout cas d'un point de vue de l'Europe centrale, que ce qu'on appelle les démocraties illibérales vont réussir à maintenir en vie beaucoup plus longtemps certaines participations électorales, participation citoyenne, donc c'est-à-dire vraiment les fondements d'un État démocratique tel que nous l'avons connu en Occident au XXe siècle, que l'Europe occidentale, qui là maintenant se targue d'être des démocraties libérales, mais qui déjà maintenant sont en train de basculer de plus en plus vers des États semi-autoritaires. Il suffit de regarder la France de Macron, il suffit de regarder comment on a géré les gilets jaunes, il suffit de regarder l'Allemagne qui est où la démocratie et l'État de droit est, de mon point de vue, beaucoup plus menacé qu'en Pologne. Et donc on pourrait s'attendre à ce que justement la démocratie survivent beaucoup plus longtemps dans les démocraties illibérales que dans les démocraties libérales allant de plus en plus dans un sens autoritaire. Donc il y a un peu cet espoir-là de se dire que si l'Occident maintenant tombe de plus en plus dans des luttes intérieures, quand il y aura de plus en plus une insécurité globalisée, généralisée, que les grandes villes vont devenir ingérables, que la campagne, les provinces deviennent désertiques, désorganisées, etc. Quand les luttes entre les différentes sociétés parallèles vont émerger, quand toute cette politique d'impression d'argent et d'inflation va mener vraiment à bout une économie qui déjà maintenant est chancelante, quand tout ça va se passer, on peut se demander si justement cette ouest ne va pas tomber vraiment pendant plusieurs années, voire décennies, vraiment dans une spirale déclinante où la démocratie deviendra un genre de simulacre, alors qu'ici, en Europe centrale, on aura non seulement une survie de la démocratie, mais en plus encore des conditions de vie économiques, sociales, culturelles relativement stables, et que dès lors, à la fin de ce processus, qui sait, dans une vingtaine d'années, ben, cette unification ou réunification peut-être aussi européenne sur un modèle expérialiste pourrait peut-être émerger plutôt de l'Est que de l'Ouest. Mais pour cela, évidemment, il faut que la Pologne et la Hongrie Tiennent le coup. tiennent bon, tiennent le coup, ne tombent pas dans le piège qu'on leur pose à Bruxelles, parce qu'alors là, en effet, on est parti pour un modèle nettement plus conflictuel et nettement plus dystopique d'émergence d'États autoritaires que si cela se passe plutôt par le biais plutôt organique de l'évolution actuelle ici en Europe centrale. Mais c'est évidemment très hypothétique comme perspective, mais il reste un petit espoir, et c'est pour ça que moi, en tout cas, je suis heureux de me D'être ici. trouver ici, d'être ici et de pouvoir voir de mes propres yeux la réalité ici sur le terrain et de me rassurer que, en effet, cette vieille Europe, cette Europe dans laquelle les traditions historiques sont toujours valorisées, où la démocratie existe toujours, où la population ressent toujours une certaine solidarité et aussi jouit d'une certaine homogénéité qui permet justement cette solidarité, eh bien, que cette vieille Europe existe toujours, qu'elle fonctionne très bien, qu'elle se porte encore à merveille, et contredit au fond
toute la propagande et toutes les mauvaises représentations et déformations de l'évolution actuelle comme étant sans alternative qu'on voit dans les médias occidentaux. Et c'est pour ça que j'essaie aussi de mes propres, enfin de mes forces et compétences ou capacités que j'ai de lutter justement pour transmettre ce message, si on veut, à l'Occident, de dire que tout espoir n'est pas encore perdu et qu'il y a cet espoir. Il suffit d'aller en Hongrie ou d'aller en Pologne, de voir la réalité devant ses yeux pour voir, non, cette normalité, elle existe toujours, encore, ouais. Qu'il y a toujours moyen quelque part de l'acquérir et qu'ici, justement, on vit cette transition, cette transformation qui pourrait justement permettre de voir cette normalité s'imposer au plus long terme comme un modèle pour l'Europe. C'est un petit espoir qui reste encore. Toutes les perspectives sont encore ouvertes. Alors, oui. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cet entretien et je vous remercie pour la qualité de vos réponses. Merci. Je suis sûr que les spectateurs les apprécieront également. Peut-être une dernière chose avant de nous quitter. Où est-ce que les spectateurs pourraient vous suivre? Vous êtes sur les réseaux sociaux, je crois. Oui, on peut me trouver assez facilement sur Facebook, Twitter ou sur mon compte YouTube. Donc là, on peut suivre. Je mettrai les liens en description de la vidéo. Magnifique, avec plaisir. Tant que YouTube, en tout cas, tolère encore le contenu que nous proposons. Tout à fait. Grand merci à vous. Donc n'hésitez pas à mettre un like en dessous de la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer la suite. Et je vous dis à très bientôt, j'espère.